Nous avons la grande joie de recevoir ce soir Monsieur le cardinal Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui célébrera également la messe à 18h15. Mes ennemis me condamnent déjà. Quand
silence et partageait mon pain, m'a frappé du talon.
guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rends toute gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. De la première épître de saint Pierre, apôtre. Le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a jamais commis de péché ni proféré de mensonge. Couvert d'insultes, il n'insultait pas. Accablé de souffrances, il ne menaçait pas. Mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. That's it.
Si je fais les œuvres de mon Père, croyez aux œuvres que je fais en son nom.
Prions le Christ, notre Sauveur, que nous délivre par sa mort et sa résurrection. Tu es monté à Jérusalem pour souffrir la passion et entrer dans ta gloire. Conduis ton Église jusqu'à la Pâque éternelle. Seigneur Jésus, pitié de nous. Sur la croix, tu as exaucé le malfaiteur repenti. Ouvre ton paradis aux pécheurs que nous sommes. Ton cœur a été percé par la lance, purifie-nous dans l'eau et le sang. Seigneur Jésus, pitié de nous. Tu as changé la croix en arbre de vie, donne-nous de manger le fruit du salut. Tu es descendu au séjour des morts avant de monter vers ton Père. Arrache à la servitude ceux qui attendent leur libération. Seigneur Jésus, pitié de nous. Et prions tout particulièrement pour les victimes espagnoles et les victimes allemandes de la toute récente catastrophe aérienne. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs de péché, que ta tendresse nous délivre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur.